foulard là. Donc quand c'est chaud en Guinée, c'est rouge qu'on attasse. Donc pour aujourd'hui là, c'est chaud. Partagez, partagez, partagez s'il vous plaît. Là où on est arrivé maintenant, il faut un vrai débat. Nous, on va sauver sur le réseau, sur les réseaux sociaux. Vous qui sont au pays encore, c'est le bon moment de vous réveiller. Si Alpha Condé a fait rentrer Satan dans votre corps, moi je serai là maintenant à enlever ça dans vos corps. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas supporter ça maintenant. On ne peut pas supporter ça maintenant. La famille, ça, ce n'est pas maintenant affaire de Dalin. Ça, c'est la vraie pure méchanceté maintenant que Alpha est en train de faire sur nous. Donc, partagez, s'il vous plaît, partagez. Pour aujourd'hui, là, je vais dire encore des mots qu'il ne veut pas attendre. Parce que la Guinée, c'est pour nous tous. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait la différence. Parce que quand on dit un vrai Guinéen, là, quand tu te rencontres avec un vrai Guinéen, il ne fait pas la différence. Et c'est ça l'homme. Les Guinéens qui font toujours les différences là, ce sont les Guinéens qui ne veulent pas que la Guinée avance. Parce que quand tu es Guinéen, quand tu vois ton ami Guinéen quelque part, tu dois lui prendre comme si vous venez de même sang. C'est ça, on dit l'être humain. C'est ça, on dit l'être humain. Donc, la famille, s'il vous plaît, partagez ça aujourd'hui. Partagez la vidéo là. Parce que pour aujourd'hui, là, c'est très important. Je vais dire les quatre vérités à Alpha Condé et à la population aussi. Parce que nous, les enfants dignes de la Guinée, on ne peut pas s'asseoir comme ça, en train de voir l'eau couler comme ça, là, l'eau qu'on doit prendre pour laver nos petits-enfants demain et nos enfants. Nous, on ne va pas s'asseoir ici. Nous, on n'est pas comme les gens qui sont là-bas en train de prendre l'argent, faire du n'importe quoi. Nous, on est là, on est le vrai fils, on est le vrai enfant de la Guinée. On veut que la souffrance sorte sur nos frères et nos soeurs et nos mamans qui sont là-bas, qui n'ont pas la force de sortir. Nous, on est là pour eux. Donc, la famille, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, tous les enfants dignes, je dis bien, hein, tous les enfants dignes de la Guinée, levez-vous. Que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois partout dans le monde entier, ce que tu peux faire, il faut te lever, tu vas faire. L'homme-là doit partir. Ça, ce n'est pas quelqu'un qu'on a besoin au pays. Il doit partir. Ce que tu peux faire, il faut faire. On ne peut pas s'arrêter, s'asseoir comme ça en train de regarder et puis parler. Et il est flanqué là-bas, il ne fait rien, sauf la souffrance pour nos parents. Les enfants dignes de la Guinée, levez-vous. Les enfants qui aiment la Guinée, levez-vous. On va enlever le pays dans la main de nos ennemis qui ne veulent pas avancer le pays. On va enlever la Guinée dans la main des maudits qui ne veulent pas envoyer le pays en avance. Qu'ils ont laissé le pays là derrière. On doit s'élever contre eux. S'il vous plaît. Le temps est là pour nous. La souffrance, c'est trop. Vous qui vivez en Occident ici, vous souffrez comme ça là. Vous souffrez comme ça là. Vous ne savez même pas là où l'argent là part. On serait là seulement en train de travailler pour envoyer au pays. L'argent du pays, les maudits là sont là-bas en train de manger et puis faire rien pour les pauvres parents. Il est temps pour nous, s'il vous plaît, levez-vous. Les enfants dignes de la Guinée, levez-vous. Que tu sois enfant, que tu sois garçon, que tu sois femme, les femmes, levez-vous. Nos mamans qui sont au pays, vous êtes là à voir la souffrance, levez-vous. L'homme là doit partir, ce n'est pas un homme qu'on a besoin. Alpha Condé doit partir. Il faut qu'on se dise la vérité. Dis la vérité à quelqu'un, même s'il ne te salue pas, mais à son départ, là, ça va te donner du bonheur. Levez-vous, les Guinéens. Trop, c'est trop. On ne peut pas se mettre sur les réseaux sociaux comme ça, en train de parler, faire les comédies.
Trop, c'est trop. Trop, c'est trop la famille. Trop, c'est trop. Le vieux là doit partir. Sa vengeance là, il doit partir faire ça ailleurs, pas maintenant en Guinée. Parce que les générations qui se lèvent comme ça, c'est pas eux qui lui ont fait du mal. Les gens qui lui ont fait du mal, beaucoup ont décédé. S'il n'a pas pitié de nous et nos enfants qui sont en train de naître comme ça, là, ceux qui sont là, qu'on doit préparer leur avenir, s'il n'a pas pitié de eux, on doit se lever et puis se donner la main. Se donner la main, la famille. Vous savez encore, Dieu ne fait rien pour ne rien. Parce que nous, les Guinéens, on a vécu dans le mensonge et on a trouvé un président aussi qui est venu nous montrer que qui est venu mentir pour nous montrer ce qui est dans mensonge. Et voilà, aujourd'hui, on est là à récolter ça. Donc, le départ de Alpha Condé, là, tout doit se réjouir. Plus jamais ça, la famille. On doit travailler le pays, là, dans la dignité. Que tu sois Thomas, partout où tu sors, quand tu es au-dehors du pays, tu dis tu es malinqué, on va t'appeler Guinéen. Tu dis que tu es soussou, on va t'appeler Guinéen. Pourquoi on ne peut pas se donner la main pour montrer l'amour là entre nous? La haine, qu'est-ce que la haine va nous donner la famille? Qu'est-ce que la méchanceté va nous donner la famille? Et vous êtes là à prier chaque jour. Vous êtes là à partir à l'église chaque jour. Certaines personnes, quand tu les vois parler de Dieu, tu vas dire que non, sans Dieu, lui ne peut pas vivre. Mais il faut voir le comportement qu'ils ont. Même un animal en brousse est plus intelligent que eux. La méchanceté ne peut rien nous donner, la famille. Réveillez-vous. Ouvrez vos yeux. Regardez le monsieur là. Ce qu'il est en train de faire sur nous. Trop, c'est trop. Levez-vous. Les personnes qu'il a tuées là, c'est trop. Quelqu'un qui a envoyé les rebelles au pays, en ce moment, c'était à 2000. J'avais 13 ans. Je faisais la 6e année à Massanta. L'année-là, on n'a pas pu faire les études. Le mari de ma tante nous a transférés à Zirekouré. C'est là-bas que je suis partie faire mon examen. À cause d'un vieux méchant comme ça là. C'est parce que nous les Thomas, on ne vend pas nous on aime Massanta. Un ennemi qui veut mettre fin à Massanta, on ne va pas te donner le temps. Les rebelles là sont rentrés. Regardez à quelle heure ils sont rentrés à Massanta. Mais ils n'ont pas pu. Parce que nous, on aime notre village. On aime ce nous. On ne va pas donner notre pays à un bandit, à un bon à rien, à cause de l'argent. C'est pourquoi les rebelles là n'ont pas pu attaquer la Guinée, Massanta. C'est à Guékédou que il a pu gagner les gens là. Un monsieur qui a envoyé quelque chose comme ça là dans votre pays, qui vient s'asseoir aujourd'hui au pouvoir, sans vous donner la paix du cœur, la famille. Et vous êtes là à lui supporter parce qu'il vous donne les 100 francs là. C'est 100 francs là qui va nourrir vos enfants demain. C'est 100 francs là qui va nourrir vos petits-enfants demain. Soyez homme. Soyez homme. C'est bon de prendre des cadeaux, mais ne prends pas un cadeau qui est... Ce n'est même pas un cadeau parce que c'est un argent volé. Ce qu'il doit prendre pour travailler le pays. Mettez le cœur, la famille. Ils sont là à signaler les sorciers là. Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. On est prêt pour dire la vérité. Ça, ce n'est pas maintenant l'affaire de Seloudalé. Ça, c'est le problème de notre pays maintenant. On va mettre notre président à côté. Pour que demain, quand lui aussi il vient, il va faire un bon travail. C'est ça qui est la vérité. On doit se dire maintenant la vérité. L'affaire de notre président Seloudalé est petit à côté de ça. Tu ne fais pas un bon travail, on doit te dire nos quatre vérités. La Guinée nous appartient, la famille. La Guinée nous appartient. Levez-vous. Vous, les enfants dignes de la Guinée, levez-vous.
il est temps pour nous de développer ces pays-là. Personne ne va faire ça à notre place si ce n'est pas nous. Personne ne va faire ça à notre place si ce n'est pas nous. Dans quel pays où tu peux être, tu n'es pas à l'aise? Hein? Dans quel pays où tu pars, même quand tu quittes ici pour aller faire tes séjours, tu n'es pas à l'aise? Et c'est toi qui dois être en l'aise. Si tu n'es pas en l'aise dans ton pays, dans quel pays maintenant tu seras en l'aise? L'affaire de Guinée qu'on nous appelle là, il est le temps de montrer ça entre nous. C'est ça qui est la vérité. Raciste là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. La Guinée doit être comme la Guinée. C'est le travail qui paye. On doit se lever, se donner la main, travailler pour les nouvelles générations qui doivent venir derrière nous. Il ne faut pas qu'ils viennent passer dans la même souffrance. Ça, on ne peut pas supporter ça, la famille. Les Allemands, qu'on les a acceptés là, levez-vous. Vous êtes là à lire les Corans. Levez-vous. Ne vous laissez pas dans les mains des ennemis comme ça là, qui vous fait monter et puis descendre. La mort que vous avez peur là, c'est là-bas que vous allez terminer. Les personnes qu'il a tuées là, c'est trop. Quand on sort encore, les gens qui vont mourir, ils vont mourir. Mais ce qu'on veut, il faut qu'on gagne ça. Levez-vous ensemble, la famille. Il est temps pour nous de sasser Alpha Condé. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a besoin en Guinée. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a besoin en Guinée aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qu'on a besoin en Guinée demain. Il est venu pour se venger. Même sa façon de parler ne te montre même pas, tellement qu'il est impoli. C'est un vieux impoli, c'est un vieux qui ne calcule personne, sauf lui-même. Un être humain comme ça, tu ne dois pas lui faire confiance. Quand il parle avec des choses, comment dirais-je, devant les populations, tu vois même l'ingratitude là dans sa parole, sa façon de parler. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'on a besoin. Levez-vous ensemble. Les Guinéens, levez-vous ensemble. Les Guinéens dignes qui veulent avancer la Guinée, levez-vous ensemble. On ne peut pas se taire. Et puis, regardez quelqu'un en train de noyer tout le monde. Et puis, quelqu'un qui est à côté de son tombeau. Regardez Alpha Condé, qu'est-ce qu'il vous donne là-bas? Si ce n'est pas la souffrance, on supporte quelqu'un seulement qui vous donne la souffrance, la famille. On n'est pas dans ce monde-là maintenant. Le monde-là est éveillé. Le monde-là est ouvert comme ça. Là où nous, on est, chaque jour, on nous montre des choses qui peuvent faciliter ta vie. Qui peut faciliter ta vie, même si tu es là, tu n'as pas de papier, tu sais comment t'en sortir. Quelqu'un qui a grandi dans un pays comme ça, il vient s'asseoir, c'est pour nous donner la souffrance, la famille. Si vous avez peur de dire la vérité, moi je serai là chaque jour à vous dire la vérité. Parce que j'aime mon pays. J'aime la Guinée. Je veux voir la Guinée au moins. Quand je dis à quelqu'un que je viens quelque part, il sait qu'on a le courant là-bas. Il sait que nos routes là sont bien faites. Parce que c'est ça qui rend un pays joli. Un pays joli. S'il vous plaît, la famille. Les femmes, sortez. La mort, c'est une seule fois. Il doit partir. Mettez la date pour qu'on va sortir. Moi, je vais payer mes tickets ici pour partir. Si tu vois Copeland, je suis féminine de Copeland. Je n'ai pas peur de quelque chose. Je n'ai pas peur. Quand ça arrive à quelque chose, je ne fais pas palabre d'elle. Tu me vois comme ça, vous me voyez comme ça, je n'aime pas palabre. Je veux toujours, j'aime toujours être joyeuse. C'est pourquoi quand il y a palabre quelque part, là, je m'éloigne là-bas. Parce que moi, mon palabre là ne finit pas quand je commence.
Et palabre que tu me vois faire là, c'est que l'intéressé m'a provoqué. Et quand tu me provoques, ça va pas finir. Ça va pas finir. Donc la famille, on doit se donner la main pour fixer un date. Même les gens qui sont en Europe, nous tous on va partir. Si c'est pour avancer le pays là, si c'est pour sasser le vieux là là-bas, il va rien nous donner. Il va rien nous donner maintenant comme bonheur. Avec l'âge qu'il a maintenant, vous pensez que c'est quelqu'un qui va développer le pays? Ça c'est fini. 10 ans là est passé, c'est fini pour lui. Le reste de sa vie là, c'est pour vous donner la souffrance. C'est comme quand un bandit vient attaquer une maison et que les gens sont dedans. Les policiers sont au dehors maintenant. Il sait que il va mourir. Il sait qu'on va lui attraper. Donc, ce que les policiers ne veulent pas qu'il fait, c'est là-bas il va commencer. Donc, c'est là-bas Alpha est comme ça. Levez-vous pour qu'on va sasser le vieux là-là. Pour que le pays là change. On ne peut pas vivre dans le mensonge. On ne peut pas vivre dans le mensonge. Nous tous, on est Guinéens. Ça, c'est quelle méchanceté, ça? Ça, c'est quelle méchanceté, ça? Ton ami a eu quelque chose, il faut lui donner. Il faut lui donner. Vous tous, vous avez souffert pour gagner ces places-là. Si on t'a laissé faire ton temps, son temps est venu. Pourquoi ne pas lui donner? Tout le monde n'a pas le même cerveau. Tout le monde n'a pas les mêmes cerveaux, la famille. Ton ami peut venir faire quelque chose que tout le monde va... Ça va aider tout le monde. C'est comme ça la vie. Les gens qui ont construit l'extérieur avant, façon dont que ça, c'était, ils ont démodé. Ils ont démodé parce que chaque personne a son idée. C'est comme ça l'être humain doit travailler ensemble. Mais tu te flanques là-bas, tu ne fais rien. Et tu prends l'argent seulement pour donner à les gens. Je ne sais même pas, nos militaires là font quoi là-bas. Vous-même, vous êtes assis dans la souffrance là-bas. En train de regarder le vieux là. Vous êtes là pour qui alors? Vous êtes là pour la population ou vous êtes là pour lui? Vos amis militaires sont là en train de protéger leur pays. Vous êtes là en train de protéger quelqu'un qui met dans vos pays, dans l'eau. S'il vous plaît, mes vieux militaires là, mes frères et sœurs militaires là, on vous a donné le tenis là. C'est pour quelque chose. Nous, on a besoin de ça. C'est pour nous protéger. On a besoin de ça. C'est pour nous protéger contre les ennemis. C'est pour nous protéger contre les gens qui ne veulent pas avancer le pays là. Donc, on a besoin de vous. On a besoin de vous. La famille, levez-vous ensemble, s'il vous plaît. Les femmes, sortez. Commencez à Lola là-bas là. Partout, sortez sur la route. Vous allez attacher foulard rouge. Quand c'est chaud là, il faut sortir. Je préfère mourir que demain mon fils en bénéfice. Si c'est pour gagner cette chose-là, que tu sortes, ne sois pas, la mort là va te rattraper. Donc il est temps pour nous, la famille. Le message qui était là, c'était ça. On doit se donner la main. Et même si le départ de Alpha, on doit abandonner tous les mauvais comportements là. On doit se donner la main. Pour que nous tous, on arrive à en bénéfice ce qui est chez nous. Les gourmands qui sont parmi nous là, qui ne connaissent que leur intérêt, sans penser à les pauvres qui sont au pays, qui ne sait même pas comment s'en sortir. D'autres sont là-bas, ils n'ont même pas quelqu'un, même pour aller lui demander même un franc. Il faut qu'on pense à les gens comme ça. Donc c'était ça la famille. Donnez-nous la main. Réveillez-vous. Partout où les Guinéens sont, ce que tu peux faire, il faut faire.
pour que le monsieur la part. On en a marre de lui. On ne veut plus de lui. Ce n'est pas un président qu'on a besoin. Ce n'est pas un président qu'on a besoin. Moi, je fais pour ma vidéo là. Je ne suis pas blogueur. Je ne suis pas là pour prendre l'argent de quelqu'un. Même mon président, c'est lui dans lequel je lui supporte. Je ne suis pas là pour prendre l'argent. Je n'ai jamais pris l'argent avec lui. Je le supporte parce que j'ai vu que c'est quelqu'un de bien. Même si tu ne vois pas quelqu'un, mais sa façon de parler peut te dire quelque chose sur ses comportements. Donc au moins, je suis les bonnes personnes. Je ne suis pas les menteurs. Je ne suis pas les voleurs. Je ne suis pas les gens que quand il dit oui là, tu regardes l'air oui là dedans, c'est faux. Je ne suis pas là pour ça. Donc quelqu'un qui me ment là, je vais te montrer que c'est quelque chose qu'on ne paye pas. C'est les choses qu'on ne paye pas. Donc soyez honnête entre nous, la famille. Dieu a gardé le fou là, là-bas pour que nous-mêmes, on connaît la vérité. Pour qu'on se donne la main. Parce que c'est tout le monde qui est en train de prendre le pot cassé comme ça. Tout le monde. Tous les Guinéens. Les imbéciles inconscients, mal éduqués, qui ne réfléchissent pas, qui pensent seulement à eux, qui viennent lui supporter ici là. Dans le mensonge. Laissez le pays au dehors. Laissez au pays derrière. Moi, je serai là chaque jour à vous insulter. À vous insulter. Et je n'ai pas peur. Le jour où je vais mettre mon pied en Guinée là-bas, si tu es garçon ou bien femme là, viens t'arrêter devant moi. Tu vas dire que tu as fait ça à Alpha Condé. On va se montrer ce jour-là qui est qui. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et Dieu même sait que le palabre que je suis là à faire là, je fais avec le cœur. Je fais parce que je suis l'enfant digne du pays. Je ne peux pas m'arrêter voir mon pays comme ça sans dire quelque chose. Les gens qui n'ont pas le temps pour la Guinée, là. Nous, on a le temps pour la Guinée parce que c'est notre pays, on aime. On veut voir notre pays joli, comme là où on... Comme c'est les autres. Donc, si toi, tu n'as pas le temps de venir aider ton pays pour que ça avance, ne viens pas nous insulter ici. Il faut continuer ton chemin là. Il faut continuer ton chemin là. Donc la famille, le message qui était là, arrêtez de m'appeler. Donnez-nous la main pour qu'on avance le pays là. Pour qu'on avance le pays là. Les gens sont assis là-bas là, qu'on les donne de l'art de fou ensemble comme ça là. Ils ne font rien. Et c'est les êtres humains maudits comme ça là qui vont... Arrêtez de m'appeler, je vais vous appeler. C'est les gens maudits comme ça là, parce qu'ils gagnent cette somme là par mois. Ils vont venir s'arrêter devant les pauvres parents pour mentir encore. Levez-vous. Il est temps pour nous de développer ce pays-là, s'il vous plaît. Il est temps pour nous de développer ce pays-là. Le pays-là ne peut pas avancer dans mensonge. Il faut qu'on se lève, nous les enfants dignes, qu'on se donne la main pour développer le pays-là. Pour sasser les ennemis. Pour montrer à les ennemis que le pays là, c'est le temps maintenant d'avancer, la famille. Donc c'était ça. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les enfants de la Guinée, que Dieu fait que le Satan qui est sur nous là, on puisse l'attraper. Il faut même pas qu'on lui laisse partir, hein. On doit l'attraper même, l'attacher bien, leur groupe là. Ils méritent ça. On doit les attacher bien même. Et même, ils vont voir que ce qu'ils ont mis sur nos frères qui sont décédés, ils vont comprendre que veut dire ça. Ils méritent ça. Hein? Quelqu'un qui ne fait rien au pays, qui met son pays en retard, il mérite de tout. Qui tue les enfants des autres. Pour faire enfant, c'est difficile. D'autres fils ont arrivé quelque part. Voilà qu'ils ont perdu leur fils comme ça.
et les maudits là sont assis comme ça en train de voir tout ça là sans dire quelque chose. D'autres ont resté en prison là-bas, mourir. Ils n'ont même pas vu leurs parents d'abord. Ça fait pitié la famille. Si tu sais que tu es un être humain qui a enfant, il faut penser à ton enfant. Tu vas attacher le foulard contre les anges là. Ils ne sont pas là pour nous. Toute l'année là va finir comme ça là. Ils ne vont rien faire. Ce qu'ils n'ont pas fait dans 10 ans, ils seront là comme ça, à suer sur vous seulement. C'est le bon moment de se lever ensemble. De se lever ensemble et de se donner la main à la famille. Donc le message qui était là ce soir pour donner à Alpha et à mes fils dignes, à les fils dignes du pays, c'était ça. Un criminel comme ça là, quelqu'un qui a envoyé rebelle dans votre pays. 28 septembre là, il a mis le nom de ça là sous Dadis. C'est un criminel, un criminel numéro 1 qu'on a au pouvoir comme ça là. Ne vous levez pas pour qu'on lui sasse là-bas.